Adèle, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de cultiver son jardin? Ben, d'abord pour contrôler ce qu'on mange, hein, puis pour le plaisir aussi. Je trouve que c'est un loisir extraordinaire. Il nous nourrit de partout, si on veut, hein. Au niveau du psychisme et au niveau physique. Ça, c'est, si tu veux, ma philosophie, l'oignon mélangé avec les fleurs. Tout est sauvage, légèrement contrôlé de temps en temps quand il y a une espèce qui va envahir. Mais je ne vais pas faire une distinction entre un jardin joli et un jardin qui m'apporte à manger, si on veut, hein, qui me nourrit. Bon, déjà, moi, je veux cultiver ce que je mange Oui. parce que chaque cellule de notre corps va être renouvelée, elle va être renouvelée parce que je vais manger. Donc, il faut que je surveille ce que je mange et autant que possible que je le produise. Au moins, je sais ce que je mange. Là, j'ai du basilic. Ça, c'est du basilic de cultiver, si on veut, qui toute la journée va attirer les abeilles. C'est un centre où il y a énormément de vie. Il y a même des petites guêpes qui viennent là. Je vais être contente de consommer quelque chose qui apporte la vie à tout le monde, quoi. Et alors, au départ, votre jardin, c'était au départ, quand vous êtes arrivé. Mais ici, ça donnait sur l'ouest, le côté ouest en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de terrible, hein. C'était un désert là. Sauf, j'avais déjà le bois noir qui était encore petit, mais qui était là. Et lui, il a servi d'ange gardien, si on veut, à tout mon jardin. Parce qu'en fait, il me fait un microclimat idéal pour. Il faut comprendre aussi ce microclimat et mettre à cet endroit ce qui convient à cet endroit. Parce que la permaculture, c'est ça, finalement, c'est toujours de se demander qu'est-ce qui pousserait ici et non pas de dire je veux du maïs ou je veux planter du blé. Je veux semer du blé. Non, il faut se demander j'ai tel microclimat, observer la quantité de soleil, la lumière, la pluie. Et en fonction de ça, on se dit, tiens, telle plante serait heureuse ici. Voilà. En gros, si on voulait schématiser la permaculture, tout est là-dedans. Oui, utilisez les ressources au maximum que vous avez autour de vous. Oui, absolument, le plus près possible. S'organiser pour avoir le moins de travail possible à faire. Laisser faire la nature. Ne pas la perturber, bien sûr. On cherche à rendre. La terre, comme autrefois, si on veut, hein, on va consommer, mais on va rien abîmer. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait des animaux et des végétaux, finalement, pour que le système fonctionne naturellement. Et justement, là, je fais une remarque. Les poules venaient autrefois, elles buvaient, elles déposaient des fois leur fiente dans l'eau, et mon bassin était beaucoup plus vivant. Il fallait que tous les jours je devais enlever des plantes flottantes là que j'utilisais comme mulch, tellement ça proliférait. Alors je remarque qu'il est toujours en bonne santé si on veut, hein. Le nénuphar se développe bien, la jacinthe d'eau aussi. Là voilà un bébé jacinthe d'eau là, hein. Elle est en train de faire un petit là. Hein. Mais c'est plus tout à fait comme avant, bien que. Il reste encore dans le bassin, au fond du bassin, ce qui faisait la vie d'avant, puisque ça fait que 2 mois que les poules ne viennent plus. Quand on a des animaux et des plantes, c'est parfait. Et c'est incroyable. Il y avait un poulailler là-bas au bout que le cyclone Erika m'a renversé. Mais il y avait un angle de tôle, un angle de grillage. Il était grand, hein, le poulailler, hein, là où elle dormait, hein.
ça devait faire 4 mètres sur 6. Les deux poules que j'ai amenées, elles se sont mises dans l'angle de tôle. Elles ont regardé l'angle de tôle pendant des jours et des jours. Et puis on leur a acheté 5 poussins. Et les poussins ont éduqué les poules. Elles ont et puis elles voulaient manger que du maïs à ce moment-là. Les poussins se sont mis à manger ce que je leur donnais. Alors elles ont mangé comme les poussins. Et puis les poussins ont fait leur éducation. Et d'un seul coup, elles se sont ouvertes à la vie. Elles se sont déplacées. Elles se sont intéressées au soleil qui se levait ou qui se couchait. Enfin, c'est incroyable. Hein. Elles étaient devenues des machines comme les hommes les avaient programmées pour être des machines. Parce que maintenant, on a complètement oublié les lois de la nature. Et dans ce respect, il y a une loi de la nature, c'est l'empathie. L'empathie, tout ce qui est vivant doit être en empathie. Et on a beaucoup perdu à s'isoler de la nature au niveau de l'empathie. C'est là qu'est né le sentiment de solitude. On peut très bien vivre dans un paysage où il n'y a personne, si on est complètement en empathie avec la nature. Et on a beaucoup de mal à vivre en ville si on a perdu l'empathie. La permaculture, c'est recréer un système où tout le vivant, quel qu'il soit, soit en empathie. Parce que l'empathie, finalement, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre.